ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille Manon. Manon. Voilà. Manon, elle doit avoir 14 ans maintenant. Ah. Ça, c'est ma femme. Oui, oui, oui. Béatrice, tu la connais. Oui, oui. Et la photo est là aussi. La photo est là, voilà. C'est belle. Et ça, c'est l'autre fille. Alors, elle est très différente de la première. Ah. Qui s'appelle Ninon, qui est très. Elle a un visage très. Oui, oui, oui. Slave, un peu oui, comme oui, allemand, oui, polonais. Oui, oui, oui. Blonde, oui. Blonde. Alors que l'autre, Manon, elle est comme moi. Elle est brune. Alors, comment ça se passe au Casino de Paris? Oh, très bien, très bien. Ouais. Oui, oui, très bien. Et le public, c'est génial. Ouais. Oui, oui, oui. Vous savez que c'est un personnage très troublant. Vous savez qu'en France, maintenant, tous les journaux parlent de vous. C'est vrai. C'est vrai que le colonel de l'armée chinoise qui devient une femme et une star de la danse mondiale, c'est quand même énorme. Ouais. Pour moi, c'est normal, la vie comme ça. Oui, ouais. Mais, français, européen. Voilà. Moi, je rêve d'aller à Shanghai. C'est vrai qu'à Shanghai, il y a un quartier qui s'appelle le Bund, c'est ça? Oui, Bund. Il y a tous les vieux immeubles du début du XXe siècle et tout ça, c'est ça? Oui, oui, je habite dans les, comment on dit, French Quarter. Ah, avant oui. French. Le French Quarter, c'est oui, là où il y avait oui, les Français à l'époque où Shanghai était oui, occupé, oui, il y avait voilà, les Français qui étaient les là. Maisons, tous les maisons, tous les exactement comment Marseille. Ah bon? Ah, incroyable. J'ai envie d'y aller. C'est vraiment l'endroit du monde où j'ai le plus envie d'aller, c'est Shanghai. Plus que Pékin. Prochaine fois, bien sûr. Quand est-ce que vous y retournez? Je finis la tournée, le 9 février. Ouais. Et la partie le 10 à Shanghai. Et vos enfants, ils sont en Chine? Oui. C'est dur, hein, pour c'est moi. C'est dur, oui. Oui, parce que je travaille ici, les enfants là-bas. Mais tous les jours, les appels au téléphone matin, le soir, oui. C'est quand même extraordinaire d'être arrivé dans un pays comme la Chine à convaincre d'abord de devenir une femme, ce qui n'est pas évident en Chine où c'était puni. Du temps de Mao Tse-tung, c'était puni, non? Oui, c'est pas facile pour les Chinois. Vous avez eu beaucoup de chance parce que votre père était militaire, votre mère était militaire. Oui. Ils ont accepté quand même que vous fassiez de la danse. Ensuite, quand vous êtes devenue une femme, votre père a dit « Bon, bah, si c'est comme ça que tu veux faire… » Comment je sens beaucoup de bonheur. Ouais. Very lucky. Very lucky person. Ouais. Et en plus, vous avez un fiancé français. Un fiancé italien. Ouais. Oui, oui, oui. Yeah. Et là, il s'appelle Pascal, votre fiancé. C'est ça? Oui. Oui. Beaucoup Pascal ici, là. Ouais. Oui, Pascal. Ouais. Vous l'avez rencontré comment? Rencontré? Ouais. Elle n'a pas marché. Au bon marché? Oui. Ah, c'est bien. On trouve tout. Oui, oui, un store. Il savait à ce moment-là que vous étiez un garçon devenu une. Oui, oui, je comprends tout. Oui, oui. Il savait. Oui, oui, il savait. Est-ce que c'est ça qui lui plaît? C'est ça oui, qui oui, oui, oui. Ça l'intéresse. Yeah. Ah oui, il le savait. Oui. Mais il y a combien de temps que vous êtes devenue une femme? 8 ans. 8 ans? Oui. Et vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. C'était votre ambition depuis toujours? Oui, 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 pas parfaitement pour moi. Oui, 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 pas du tout. Oui. Et alors, excusez-moi de vous demander cette question, mais est-ce que quand on a été opéré, on a quand même des... Est-ce que vous avez des sensations? Est-ce que vous, quand vous faites l'amour, est-ce que c'est comme... À Paris. Comme une vraie femme? Oui, oui, oui. Ah, oui. Exactement. Except I cannot have a baby. Oui, can't have. Vous en avez adopté oui, trois. Oui, 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 oui. Oui. Exactement. Ça. Mm. Mais si vous ne le dites pas, l'homme ne va pas s'en apercevoir. Oui. Non? Non, non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Ah, c'est formidable. Ah, c'est extraordinaire. Dîner café, fais voir. Dîner café. Oui. Ouais. Alors, chérie, bouillon à l'ail doux, menthe et café. Oui, c'est super. En plus, c'est Guy Martin du Grand Véfour. La bouffe est super. Les côtes d'agneau avec du chocolat. Oui. D'accord. Chocolat et café. Et aubergine écrasée aux arômes. Aubergine écrasée, oui. Ouais. Poire infusée aux épices douces. Putain, c'est parfait. Ah, super. Ah ouais, ils sont bons. Hein. Santé. À la santé du spectacle, hein, Shanghai Tango. Merci. Bah ouais. Merci à toi. Mais c'est bien parti. Oui, oui, très bien. Ouais. Nice. Je vais appeler Bruno, je sais pas où il est. Tu la connais Bien sûr, je connais. On parle beaucoup de madame actuellement.
Hein? On parle beaucoup de madame. On parle beaucoup. On parle beaucoup, effectivement. C'est vrai, hein? Dans tous les oui. magazines. Mais tu sais que mais c'est normal. La légende du colonel de l'armée chinoise qui est devenu une femme avant de devenir une des plus grandes danseuses du monde. C'est vrai que c'est un destin. C'est saga, quoi. Enfin, le premier homme en France qui était devenu une femme, c'est... Qui on avait beaucoup parlé. C'est Capucine, non? Non, avant Capucine. Qui faisait le spectacle chez Madame Arthur à l'époque. Ouais. Je vous parle de ça des années 60. Ouais. Une grande vedette. Qui est... Attends à tout, là. Le jeune qui fume du shit dans le coin. Attention des voyous. Attention, il y a du monde, hein, il y a du beau monde, regardez. Coccinelle. C'était la première et la... Vous connaissez Coccinelle? Bon, que moi j'ai... Il est très connu. Très connu. Et Capucine. Il est où Ardifès? Ali Ardisson. Théa, je pense, c'est ça. Ah oui, Théa. Ah t'as vu, il y a Ali. C'est moi, Ben Ali, votre épicier. Déjà quelques années, ouais. On a parlé de madame dans les magazines. Sois sage. Bien décidé à vous servir avec sourire, question boulot, pas de répit, surtout quand il s'agit d'être présent pour les... Quatrième. Ben Ali, bon Thierry, tu réponds, il est... Quatrième. Oh. Ah c'est là. Thierry. Mais non, c'est là, Théa. Ça marche pas! Bon, on y va alors! Bon, on y va! Bruno avec Anouchka et. Ah oui. Et Yvan. Ouais! Ça serait drôle de faire des documentaires là-dessus. Hein. Oui, bien sûr. Parce que Coccinelle, c'est un personnage insensé, quoi. Elle est morte, tu crois, Coccinelle? Non. Arrête, elle n'est pas morte? Non, non, elle n'est pas morte. Il faut... Bah, prenez-le, vous, je vais mon clavier, moi. Ah la rage! Mets ton casque, Yvan. Attends. Chérie, il faut que tu te pousses, ça fait quoi? Mais ça, c'est pas possible, hein. C'est quel? 4? 4, je crois, hein. Aïe. Ça fait pipi, moi. Il faut l'inviter. Bien, écoutez, mon je Dieu, peux trouver mais... sa mais sa oui, trace, oui, hein. Absolument. Je peux retrouver j'ai ça. Vraiment la coupe de Mike Brandt, hein. Mais moi j'ai même pas pris de coiffe de peigne. Ah, bah, doit pas être jeune, quand même, Coccinelle. Non, bien entendu. Ouais. N'est plus toute jeune, mais toujours aussi blonde, aussi belle. Ah ouais? Oui, oui. Ah ouais, ça sent, quoi. Je vais ouvrir. Tu y vas? Ouais. Bon. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, quelle surprise. Vous ah, très bien, ça me fait plaisir de vous voir. Madame, vous attendiez? Bonsoir. Je vous attends. Oh la vache. Monsieur Ardisson également, bonsoir. Très bien, bonsoir. Ah, il y a de l'argent, hein. Non, c'est clair, il y a de l'argent. Ça change du... Tu, c'est marrant, ça change de l'entrée. Le hall, ça fait un peu malfamé. Ouais. Quand tu viens ici, ça fait juste lupanard. Ouh là 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 là, c'est ah ouais, richement décoré. Bonjour. Oui, bien sûr. On est tout seul et on n'est pas tout seul. Ça va? Je t'ai amené des fleurs, Thierry. Très gentil. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va, fiston? Salam alaikum, Thierry. Salut, fils. Ça va? Bon, bah mettez vos affaires à côté, là. Tu nous as pas entendu quand on a sonné sur l'interphone? Non, non, bah non, attends, je suis branché par... Ouais. Là, je suis avec la chinoise. Mais là, on est vraiment chez toi, dans ta déco, là. Ouais. Je vois toujours ton mari, je te vois. Non, dis non, hein. Je te vois jamais. Je suis entré. Bruno Solo. Merci. Bruno Solo. Bonsoir. Chef. Bonsoir. Ravi. On compte sur vous, hein. Vraiment sur vous. Tintin, ouais. Ça se fait comment? Tu te mets à côté de ton homme? C'est pour ça qu'il baisse. Pourquoi tu te baisses? Je vais perdre ma jupe. Ah, chouette. Non, mais c'est pas parce que c'est chez moi que c'est une partouze, hein, faut pas non plus. Tu te sentais pas bien dans ton corps, le corps que la nature t'avait donné, tu sentais que c'était pas le tien. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, après le 19 years old. Oui, 19 ans. Ouais. Old, merci. When I went to America, yeah. Après, in New York, je sentais, ok, je puis faire changer. C'est là que tu as fait aux États-Unis. Non, elle est allée dans des bars gays. Oui. Et il s'est aperçu, à l'époque encore un garçon, ouais. Il s'est aperçu qu'il n'était pas homosexuel. Okay. Donc d'accord. Il se dit, je suis vraiment une fille, quoi. C'est-à-dire, je suis pas attiré par les garçons. Enfin, je suis pas attiré par les homos. Non, mais c'est vrai qu'en Chine, il y a une tradition où, par exemple, les hommes jouent les femmes au théâtre. Donc, il y a eu une tradition qui date depuis des siècles. Mais quand le communisme est arrivé, quand Mao Tse-tung est arrivé, il voulait plus. Et la première, disons, à revenir à cette tradition après les années Mao,
C'est notre ami Ling Xing, oui. Voilà. J'ai vu des images de la... C'est la fin du spectacle où il y a une... Bruno, il y a une chaussure avec oui, des oui, talons oui, aiguilles oui, sur un tas d'hommes oui, déguisés oui, en femmes. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment la... C'est pas du tout... C'est pas de la danse chinoise traditionnelle. Non, hein, non, c'est non, danse moderne. On a travaillé avec Merce Cunningham à New York et tout oui, ça. Oui, oui, oui. Vous connaissez Mia Fry? Mia Fry, grande, grande chorégraphe française. Enfin, t'as jamais fait de danse, toi, Nouchka? Un peu. Un peu? Je fais de la danse du ventre, un peu. Très, très peu. Mais j'aime bien. Mais j'en fais pas. Et c'est comme ça que tu as séduit. Eh, dis donc, ça ah fait. Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Moi, ça fait 20 ans avec ma femme. Ah, on te bat pas, loin de là. Nous, ça fait 15 ans. 15 ans. On n'y est pas. Il y a les 5 plus durs qui arrivent. Non, hey, tu sais bien que non. On se connaissait déjà quand t'as connu Anouchka? Ah, bah oui. Tu as pas dû choisir? On se connaissait déjà? Bah, bien sûr, tu nous as rencontrés en 90. 90, ouais. Ouais, on se connaissait déjà. Oui, parce que c'est les zèbres, que... on était déjà... C'est un peu ma chance, Anouchka, c'est que j'ai rencontré avant d'être... C'est moi qui étais avec elle à l'époque. Avant d'être un peu connu, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais quand vous êtes rencontrés? Je vendais des vélos par correspondance. Voilà. Si. Des vélos? Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bien, ouais, j'étais... Je suis parti de loin, moi. Hein. Ouais. Bon, je suis pas arrivé loin non plus, mais... J'ai voir, j'étais un stut. C'est con parce qu'on a oublié la bouteille de vin. Mais tu l'avais pas pris, ça veut pas dire. Moi, je l'ai laissé sur le frigo. C'est Drucker qui t'en a parlé, je suis Drucker, il me dit toujours, Thierry, il faut que tu fasses du vélo. Voilà. Ceci étant, quand je vois comment il est, c'est peut-être, peut-être la solution. Hein. Ouais. Il en fait, les vélos. Tu restes assis, et c'est bien aussi. Hein. Il fait du vélo, il fait beaucoup. Mais je sais qu'il fait beaucoup de sport en salle. Et... Bah, Drucker, son ambition, c'est de durer. C'est de gagner le Tour de France. C'est durer. Donc, tu vas pas trouver ton ambition. Il n'arrête pas de dire l'important, c'est de durer. Voilà, l'ambition, lui, il a choisi son truc, c'est durer. C'est marrant que tu dises, un jour, on avait rencontré tout au début, on faisait ce métier, c'était à l'époque du Temple 50. On va se faire coiffer parce qu'il fallait se faire coiffer dans ouais. le cadre de l'émission du Top 50. Donc. Et on croise Drucker qui nous dit les gars, vous venez d'arriver parce que Drucker, ça fait un mois que t'es à la télévision, boum, il a déjà ton numéro de téléphone ouais. et tout. Il t'appelle. Et t'appelle. Allô, Michel Drucker. Waouh ah. Michel Drucker, moi, j'appelle ma mère. La première fois, ça fait un choc. Hein. Et là, il nous dit et les gars, tu vois, t'es Drucker, on n'est pas de portable à l'époque, autrement, j'aurais appelé maman direct. Et puis, il nous dit les gars, vous allez commencer une petite carrière, je sais pas comment ça se passait pour vous, mais. Le faux plat. Ouais. Jamais de pente. Jamais de pente. Parce que derrière, on redescend. Le faux plat. Toujours. Ah ouais. Toujours. Ouais, c'est bidon, y'a rien à chourer. Oui, attends. C'est que du toc. Attends, tu vas voir, y'a rien à chourer. Quatrième. Je savais qu'il était bizarre. Hey regarde. Je savais qu'il était bizarre. Ah oui, mais la mine gris au fond. Regarde. Je savais qu'il était bizarre. Il peut pas s'échapper. Ah ouais, c'est ça. Ouais, viens, on va chercher les menottes. Chichine, on va t'attacher, tu vas voir. C'est la tradition en France. On sait s'amuser, on sait rire. C'est le supplice chinois, on appelle ça. Eh ben, tu sais que chez vous ça n'existe pas, c'est une invention occidentale. Ardisson aussi, il change ses ampoules. Il est comme tout le monde. Eh, mais je suis sûr que t'as ça. Je pense qu'il faut sonner. Ouais. Elle est bonne au tir. 10 ans. 10 ans. Sniper. Sniper. I was very good killer. On est chez Monsieur Théa. You kill somebody? No. I learn. I will train it. You learn to. Then you never. No. Even when you fail. No. Oui, Gilles. Ça va, Gilles? Je connais. Michel. Bah, tout le monde connaît Gilles, c'est ça qui est génial. Monsieur Frémont. Bonsoir. Soirée parisienne. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a des gens qui arrivent encore. Je croyais qu'on était seuls. C'est quoi ce dernier? Ouais. Tiens, tu mets tes affaires ici. Oh là là. C'est pas possible. J'adore. Comment elle s'appelle? Elle me fait rigoler. Mimi Mati. Comment tu vas? Ça va, Michel? Oh, c'est cool. Oh là là. Tu as eu. Allez, Roger, tiens, Jean-Marc Thibault, c'est bon. Bonsoir. Ça va, Jean-Marc? Alors, Micheline Dax est venue aussi, ça me fait plaisir. Bon, bah faites comme chez vous, Thierry n'est pas là, mais on va commencer sans le... Ah, okay, ça va. J'ai flippé. Bonsoir, enchantée. Disons, ça se passe bien ton truc. Ouais, écoute, c'est un beau succès, critique et public. Et, signé d'une belle aventure. Ouais. Faut juste porter les rouflaquettes. Ouais, ce truc. Ah ouais. Oui, mais il y a un petit côté. J'ai le droit à Wolverine en ce moment, tous les jours. Ouais, Wolverine dans les X-Men. C'est magnifique cette pièce. Mais c'est un texte sombre. Oh, Francis Perrin est magnifique. Non, puis Thierry aussi. Bien, le texte est beau. Dumas. Sur la collaboration. Sur la dualité de qui crée, qui est le créateur, qui est le. C'est bien. Ça sonne, tu veux que j'aille ouvrir? Il y a du manque. Non, c'est la femme de Yvan. Ok. Voilà. Lui, c'est un acteur qui fait une pièce qui s'appelle Signé Dumas, qui parle de Dumas, d'Alexandre Dumas.
et de son nègre, comment, Maquet, il s'appelait comment? Auguste Maquet. Auguste Maquet. Collaborateur. Et donc de savoir à qui appartient l'œuvre, parce que Dumas, il avait des idées, et puis Maquet, derrière, il se tapait. Il les mettait en forme. Il les mettait en forme. Donc le style, c'était celui de Maquet. Bah, Maquet amenait les anecdotes historiques, il était historien, donc c'était son travail. Et aussi, il brossait la première mouture du livre après, que Dumas corrigeait en y amenant son souffle et son sens de l'épique. Détail. Dumas, il amenait le. Mais alors pourquoi Dumas, il a jamais signé avec Maquet? Parce qu'il ne voulait pas lâcher là-dessus. Il considérait que du moment qu'il payait Maquet, il n'avait pas lâché. Il a juste lâché sur l'adaptation des romans au théâtre. Parce qu'il ne pouvait plus payer Maquet. Donc il a lâché. Donc tous les romans, Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, au théâtre sont signés Maquet Dumas. C'est les seules choses. Mais ce qui est très drôle, tu vois, Thierry, c'est que quand Thierry parle de cette pièce, quand on entend Francis Perrin défendre la position. Lui, Francis Perrin, ils sont tellement imprégnés de leur personnage. Francis Perrin défend la position de Dumas, qui dit mais nom de Dieu, c'était moi le vrai créateur. Mais moi, je suis très Maquet. Moi, je me suis documenté quand même. J'ai même les gens de la famille de Maquet qui sont venus voir en disant on a des lettres qui prouvent vraiment que c'est Auguste qui a tout écrit. C'est ce qui fait que la pièce est tout simplement exceptionnelle parce qu'à un moment tu le sens. Ce qui est génial, c'est que le débat a toujours lieu. Alors si les gens famille. Bah, tu sais, même quand ils ont protagonisé Dumas il y a un an et demi, face au parterre des télés du monde entier et au public, Decaux qui ne parle que de Dumas ce jour-là, cite qu'un seul autre nom, il dit on ne peut pas oublier Auguste Maquet. Ce jour-là, il le dit. Donc on le sait bien. Marie-Josée Nat avait joué le rôle. Messieurs. Oh, comment ça va? J'ai failli écraser le professeur dans l'ascenseur. On est montés tous les deux. Il regrettera toujours d'être monté. Bonjour, Ardisson est dans sa cuisine. Vous voulez aller dans la cuisine? Moi, je vais vous débarrasser parce que je suis un mec poli. Ouais. Donnez-moi vos manteaux. Quoi? Comme quoi? Non, il n'y a pas de manteau, c'est mon poids. C'est les kilos. C'est ça. Je peux rien enlever. Non, vraiment, je ne peux pas. Il nous accueille pas, Ardisson? Mais il est en pleine conversation autour d'Alexandre Dumas. Allez-y, les gars. Allez-y, allez-y. Bah, le voilà, voilà. Heureux de vous connaître. Très heureux. On va passer à table parce que là, on n'y arrivera pas. C'était l'époque de lunettes noires. Ouais, c'est ça. C'est ça, une vingtaine d'années, ouais. Et ça, c'est quelle période? Ça, c'était juste avant Béatrice. Une gonzesse qui s'appelait Wamé. Et un soir, je rentre. Et elle était avec mon plus proche collaborateur. Non. D'où les cornes. Et on a été obligés de se séparer. Voilà. Bah, bon, ça tu es où, toi, Michel? Alors, attention. Attends. Là, ici. Alors, Juicy. Voilà. Bruno Solo. Thierry, Bruno. Juicy. Très bien. Bon, je suis ravi. Où est-ce qu'on pisse? Là, viens. On est à côté, dis donc. Quoi? Genre 20h. Il dit plus tard la télé, c'est ça? Non, mais pour rester. C'est qui? My assistant. Assistant. T'es sûr que c'est pas Pascal, hein? Non, non, c'est pas Pascal. Très jeune ou si c'est Pascal? Non, c'est pas Pascal. Pascal. Oui. Pascal, son mec. Elle n'aime que les Occidentaux. Ah ouais? Elle ne supporte pas les Chinois. Alors je pensais que c'est parce qu'ils avaient des petites bites. Pas du tout, c'est parce qu'ils sont machos, elle m'a dit. Ouais, mais c'est sûr. Ils sont trop machos. Les Chinois sont machos? Ouais. Ouais, ils sont machos. Non, c'est un scoop. Moi, j'ai dit, c'est une petite bite. Non. Ça fait beaucoup de choses. Mais attendez, souvenez-vous quand même. Macho et petite bite. La principale légende des femmes chinoises, c'est quand même qu'on leur comprimait les pieds dans les trucs. C'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes. Ça, c'est les hommes qui les obligeaient à avoir des petits pieds. La petite bite, comme le machisme. C'est peut-être qu'ils leur comprimaient. Le machisme asiatique. Ils leur des trucs en bois. Ils leur mettaient là. Peut-être que la bite, c'est pareil. C'est comme les pieds. À la naissance. Oui, mais ça, c'est génétique. Bruno, non, c'est pas génétique. À la naissance, le petit chinois. Tiens, on va demander. Attendez, on a la chance d'avoir Albert Jacquard, professeur. Sur les idées reçues. Non, vous qui êtes vraiment bon, hein, pic de la Mirandole pour moi. Est-ce que pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole. Est-ce qu'il y a des races comme les Chinois qui auraient des sexes plus petits, par exemple? Attends, c'est important, ça, c'est intéressant. Il y a des différences. Bruno. Il y a tellement de différences entre un Chinois et un autre Chinois. Ouais. Presque autant qu'entre un Chinois et moi. Ah oui, exactement. C'est ça le problème. Ouais. C'est que. Ouais, c'est comme le dire que les Chinois avaient petites bites, c'est une première connerie que j'ai dit ce soir. Mais il y a des grands Chinois qui ont des grandes bites, tu sais. Non, non, mais ce que dit Albert Jacquard est très important. Il expliquait dans un de ses livres, effectivement, qu'il y a plus de différences. Il y a plus de différence entre moi et Thierry Ardisson qu'il n'y en a potentiellement entre moi et un habitant de la Nouvelle-Guinée. En tout cas, c'est à peu près équivalent. Oui, voilà, c'est à peu près. C'est pas les critères physiques et les changements physiques qui font la différence entre les hommes, mais des génétiques justement de caractère et de Tout vient de ce que la technique pour fabriquer un enfant consiste à tirer au sort, donc à faire n'importe quoi. Ouais.
ça fait partie des phrases que j'aime dire aux petits-enfants. C'est ça qui est bien. Donc on est d'accord pour vous, professeur, on est tous avec le même potentiel et ce n'est qu'ensuite, par le biais de l'éducation, qu'on s'améliore. C'est l'inné et l'acquis, ça. Il est star, là, le potentiel, il n'est peut-être pas le même, mais selon, il n'existe même pas, il n'est pas définissable. Voilà. Parce que quand vous êtes né, vous n'étiez ni intelligent ni pas intelligent. Vous aviez vos 100 milliards de neurones. Ah oui, d'accord. Et ah oui, il n'y a pas des gens qui... Attends, c'est intéressant. Il n'y a pas des gens qui naissent intelligents. Oh non, ça ne veut rien dire. On est avec des neurones qui après... Mais non, vos neurones, vos neurones ne sont pas connectés. Même pas. Je fais sans chacun. Non, on est, non, non en vérité... Mais est-ce qu'il y en a? Bon, il y a des gens naissent avec plus, mais on d'accord, pas avec plus, mais avec moins. Non, il faut y avoir des... Ils sont nés avec moi. Non, mais ça, oui, c'est facile. C'est pas du tout symétrique. J'ai un peu honte, professeur Jacquard, j'ai des conneries. C'est pas du tout symétrique. Il y a des bombes pour détruire des châteaux, il n'y a pas d'antibombes pour construire des châteaux. Donc c'est pas symétrique. La génétique peut vous rendre idiot, ça c'est sûr, parce qu'elle empêche des connexions, mais elle ne peut pas vous rendre intelligent. L'intelligent vient après. Quand vous êtes né, vous aviez tous vos neurones, et pratiquement pas de connexions. Ah ouais. Et arrivé à la puberté, vous avez 1 milliard de milliards de connexions. Oh, ce qui permet de faire le petit calcul que j'ai jamais vu écrit nulle part. Je suis devant un enfant de 15 ans. Ouais. Ça, souvent, ça m'arrive. Quel est ton âge? 15 ans, oui, mais en secondes, ça fait combien? On fait le calcul. Ton vrai âge, c'est 400 millions de secondes. Tu divises 1 milliard de milliards de connexions par 400 millions, tu trouves 2,5 millions par seconde. Donc un enfant, entre sa naissance et sa puberté, met en place à chaque seconde 2,5 millions de connexions. Waouh, il est trop fort, Jacques. Est-ce que les connexions se font mieux et plus vite avec l'acquis, justement, avec l'éducation, avec le milieu? C'est essentiellement avec l'éducation. Ouais, c'est ça. Et l'éducation sert à vous rendre apte à rencontrer. On devient homme, mais on ne l'est pas au moment de la conception. Mm-hmm. J'étais un ovule et un spermatozoïde qui sont rassemblés, il n'y a pas de quoi être fier. Mais après, je suis devenu quelqu'un. Mm-hmm. Et c'est toute la problématique de à partir de quel moment est-ce que j'étais quelqu'un qui est là. Et pour moi, ma réponse, c'est, elle n'est pas facile. C'est qu'il n'y aura jamais de réponse biologique à la question quand est-ce qu'on commence à être sacré? Un spermatozoïde, je le mets à la poubelle. Ouais. Un ovule, je le mets à la poubelle. Un fœtus, je ne le mets pas à la poubelle. À partir de quel moment la différence? Où est la frontière? Pour moi, il n'y a pas de frontière biologique. Il n'y a pas, par exemple, de frontière biologique. Parce c'est combien de semaines l'avortement? Jusqu'à 3 mois. Mais 12 semaines. Il ne faut pas demander. En fait, c'est le législateur qui a décidé arbitrairement que c'était 12 semaines. Rien. Mais c'est pas. Il n'y a pas de frontière biologique. Et par conséquent, il faut la trouver ailleurs. Pour moi, la frontière, c'est la rencontre entre cet embryon et l'espèce humaine. Bien sûr. C'est sa première rencontre qui compte. C'est l'hominisation de l'embryon, quoi, en gros. Oui, mais qui l'a fait? Sa maman. Mmh. Ouais. Et au fond, la première rencontre qui fait qu'on est quelqu'un, qui en appartient à l'espèce humaine, c'est quand ta future maman dit « il y a quelqu'un en moi ». Non, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, vous êtes un savant, ensuite vous êtes un humaniste, et ensuite, vous avez un look d'enfer, quoi. C'est vraiment le look. Ouais. Je suis désolé, mais... Je suis avant tout un prof. Je sais pas si c'est voulu, le look un peu prêtre-ouvrier, là, mais c'est top, quoi. J'ai top. Une tête de prof, quoi. Ah ouais, vraiment. Allez, mange ta soupe, Albert. Allez. Un truc. À une époque, j'étais directeur financier de Adnan Khashoggi. Oui, toi, tu étais directeur financier de Khashoggi. Et donc, je t'explique le truc. Ouais. Réunion à Santa Barbara, chez lui... Ouais. Donc, il faut imaginer le truc, au-dessus du Pacifique, tu vois, avec un petit ascenseur de style mexicain qui descend sur la falaise. Sur une... Bon, et là, on était sur sa terrasse, on n'était pas plus nombreux que ça. Et donc, si tu veux, c'est une société qui faisait des mobiliers haut de gamme pour les princes saoudiens. Donc, il y avait les différents patrons des showrooms, et moi, directeur financier, on était là pour faire des budgets, bon, peu importe. Et donc, on était là, et... Le mec commence à nous servir, le maître d'hôtel commence à nous servir. Moi, je le connaissais, c'était un Anglais, le maître d'hôtel de Khashoggi, on avait sympathisé. Puis il montre, tu vois, le plat, comme ça, puis il me fait super top, quoi. Tu vois, puis il continue à servir, et Khashoggi, comme toi, parlait. Et là, j'ai fait comme l'autre andouille, pas de classe, tout d'un coup, il me dit, c'est bon, donc je commence, tu vois. Et au moment où j'ai la cuillère dans la bouche... Je m'aperçois, je suis le seul, tu vois. Et je me dis, là, t'as tout le poids d'Argenteuil qui te tombe sur le... Tu vois.
Et donc. Et là, tu te dis, personne ne me dit. Ouais, je me dis, c'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard, tu vois. Donc, je repose mon truc et Khashoggi dit, maintenant, mangeons. Bon, ben, je vais creuser. Écoutez, hey, j'ai fait une émission avec toi avec de Nadine Rothschild. Ouais. Hein, et on était avec Yvan. Et Nadine Rothschild a dit. Elle a demandé de mettre son compte chez Rothschild. Ton compte chez Rothschild, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pas sûr. Elle nous a dit, on n'attend pas lorsque le plat est chaud. On doit manger tout de suite. Ah bon? Parce qu'il est impoli par rapport au chef cuisinier. C'est le côté argentin de Nadine de Rothschild. Enfin, ouais, voilà. On essaie de se donner une justification argentin, mais en tout cas, elle m'a dit Nadine de Rothschild. Ah bon, le froid, pas, on attend. Mais le chaud, on attend pas. Ça fait 13 ans que j'attends. Alors, ouais. Bêtement. Non, mais... Le chaud, on n'attend pas. Merde. Et je vais même faire chabreau avec du pinard. Hein, c'est une traduction du Sud-Ouest et je vous emmerde tout ça. Je vais mettre des bouts de pain. Eh, Khashoggi, là. Il a fait faillite sur une affaire immobilière, mais comment un mec qui est aussi riche qu'on va peut faire faillite sur une seule affaire? Non, je vais t'expliquer. Khashoggi, là, il avait une quarantaine de sociétés, d'accord? Ouais, ouais. Son deal principal, c'était les armes. Mmh. Bon, pour t'expliquer, à l'époque, quand j'y étais, c'était... Oui, mais non, mais nous, on était vraiment... Nous, on était une des 40 sociétés, on faisait notre truc. Il a fait faillite parce que... Tu vois, par exemple, je me souviens de l'année 86... où on avait fait un profit net de 2 millions de dollars de notre société. En un soir au casino à Londres, il les a bouffés. Ah, tu vois. Ah, bon. Donc la conjoncture s'est retournée. Il a eu des problèmes avec Marcos aux Philippines, ouais. Etc. Et donc tout s'est écroulé, tu vois. Et le fameux DC-8 a été saisi, tu te souviens, au Bourget. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, un mec comme Khashoggi? Oh, bah, il recommence. Ouais. Si tu veux, Khashoggi, c'est le fils du médecin du roi Fahd d'Arabie. Ah. Et le mec était médecin perso et il a fait fortune parce qu'il avait installé des groupes électrogènes pour le roi Faisal d'Arabie, mm-hmm. Et il dealait l'électricité au mec de Riyad autour. Donc il est devenu monstrueusement riche. Ouais. Et puis en plus, déjà, Toubib, tu vois, et ses fils sont allés à l'université. Mm-hmm. Mais dans la culture saoudienne, le bakchiche est un moyen de faire le business, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a commencé, quand il était à l'université aux États-Unis, on contient, je t'achète 40 GMC, tu sais, des camions pour la Jordanie, machin, puis touchait sa com, et puis voilà. Et donc, du coup, t'as vu ce que c'était que l'argent, t'as vu que ça correspondait à rien, du coup, tu bosses à France Inter. Et là, tu sais que ça correspond vraiment à rien, l'argent. Tu sais. T'es payé en pièces jaunes pour Bernard Chirac. Ouais. Hein, comme dit Didier Porte, à un moment, il dit, j'ai touché ma paye, je vais pouvoir l'offrir à Bernard Chirac, c'est des pièces jaunes dans un gobelet. Mais toi, en fait, t'as commencé avec de la rue, tu laissais des messages sur le. Ouais, le professeur Zermati. Zermati, voilà. Il y a une deuxième. Après Khashoggi, j'ai écrit des chansons de Jules Dupont. Le premier truc a été un tube. Donc Mélodie ouais. Donc j'ai eu un contrat avec. Comment s'appelle la chanson de Mélodie? Y'a pas que les grands qui aiment. C'est pas que les grands qui aiment. Avec Orlando. Je suis désolé, monsieur Jacquard, je savais pas qu'il venait. Attends, ma fille, elle m'a gonflé avec cette chanson, mais alors. Donc, mais c'est drôle parce que tu passes de l'autre côté du miroir. Là, je rêve, là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut inviter Dieudonné ou non à la télé? C'est ça la vraie question. Avant de répondre à ta question, le mec arrive. Il a complètement pété les plombs. À mon avis, tu sais, c'est pas faire de la psy de prise unique, mais c'est dû à des blessures qui reviennent. Le mec, il s'appelle Dieudonné. Il est fils d'une Bretonne, et tu imagines. Je me souviens un jour, quand avec Élise, il y avait un sketch où il disait qu'Annie Cordy était aveugle. Alors, tu dis, putain, ouais. C'est cruel. Ouais. Et en fait, Dieudonné t'expliquait que lui, quand il était môme, il la voyait avec un os dans le nez, chanter je sais pas quoi, chocolat, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper, tu comprends, il a ce truc-là. Il a souffert de sa nourriture, Il a toute une enfance comme ça, Dieudonné. Mais donc, il a basculé dans une espèce de folie où il se trouve des alliés objectifs qui sont les mômes des banlieues qui assimilent les juifs à l'État d'Israël. Non, mais non. Tu sais bien qu'il cherche... Il cherche ce public-là. Et donc, l'autre jour, il s'est pointé chez Fogel, où il a fait un sketch qui était en plus très mauvais. Et maintenant, il pète les plombs en permanence là-dessus. C'est-à-dire qu'il reste sur ce truc-là, alors que je le tiens pour un des plus forts sur le plan de l'humour. Son spectacle, c'est vachement bien. C'est génial. Depuis Coluche au gymnase, je n'avais rien vu d'aussi drôle. Ouais, c'est vraiment très drôle. Dupontel, lui et Coluche et Gad Elmaleh. Mais donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut effectivement l'inviter. Mais ce qu'il faudrait, à mon sens, si j'étais lui... Et c'est juste dire voilà, j'ai été maladroit, et surtout j'ai pas été drôle, et pour un comique c'est impardonnable.
Et voilà. Et je suis désolé pour le si j'ai pu commettre blesser des gens. Je le regrette. Il faut voir qu'il est harcelé de toutes parts et qu'il est dans une position de défense systématique. J'ai des blessures d'avance. Je pourrais répondre à Thierry. Non, mais attends, on peut pas tout expliquer par les blessures d'un homme pour expliquer son passé. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ces choses-là. C'est pas humain de dire je me sens avec le drapeau israélien comme il l'a dit l'autre jour chez Vin Thomas. Tu peux pas. Tu sais ce qu'il répond. Tu peux pas. C'est pas du politiquement. Lui répond que. On a le droit de faire prendre de la cocaïne au pape dans les guignols. Moi, j'ai vu souvent le pape prendre de la coke dans les guignols. Il répond qu'on peut se foutre de la gueule de tout le monde, sauf des religieux juifs orthodoxes, voilà. Et il dit, il n'y a pas de raison. Et quand il dit, je me torche avec le drapeau d'Israël, c'est après avoir dit qu'il se torchait avec tous les drapeaux. Et moi, je suis assez âgé pour avoir connu dans les années 70, et tu le sais très bien, se torcher avec le drapeau français, c'était courant. Enfin, je veux dire, c'est une expression à l'époque. Ton père, une fois par semaine, il écrivait. Donc, tu es d'accord avec Thierry qu'il y a au jour d'aujourd'hui une maladresse un peu coupable et presque criminelle de la part de Dieudo, criminelle dans le sens des proportions qu'elle prend, mais qu'il faut à nouveau lui donner, comme tu l'as fait d'ailleurs, toi, et comme j'ai fait plusieurs fois, moi, à café. Moi, à chaque fois, lui donner à nouveau la parole. Non, mais lui donner à nouveau la parole. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment de l'incitation à la haine raciale, quoi, vraiment. Mais il y a pas que lui. Pour tout le monde se braque sur lui. Il y a une incitation à la haine raciale en permanence. Quand tu vois le loft, par exemple, où tu vois un black qui dort toute la journée, une pute arabe, elle est arabe, donc c'est une pute. Machin, je veux dire, c'est quand même des trucs qu'on donne aux gens à bouffer toute la journée. Et pour moi, c'est une incitation à la haine raciale en permanence. C'est-à-dire qu'on dit aux cons, t'as raison. On stéréotype, on dit aux cons, t'as raison de penser ça. Le black, il est feignant et la petite beurette, c'est une pute. Je veux dire, moi, c'est ça. Ça m'exaspère plus que Dieudo. Quoi que les gens disent. Qu'il veut dénoncer et peut-être pas les attaques plus à droite. Je dis pas qu'il est malin, malin. Pardon, on se dit c'est pas l'attaque. Je dis pas qu'il est malin, malin. Son attaque est malin. Argenteuil, sur les cités à Argenteuil, tu sais ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Vive Ben Laden ». Tu sais bien ça, tu sais ce qu'il y a écrit sur les cités. Donc, avec ce discours-là qui est ambigu et tout, il est sur des mômes un peu frustes comme ça prend comme un feu de paille, quoi. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Mais ce qui m'embête, c'est que lui, il est intelligent, il le sait, quoi. Alors, même si au départ, tu as une espèce de réaction qui expulse son truc, c'est toi, tu penses que c'est son enfance qui le travaille? Évidemment, c'est un mec qui est. C'est une blessure. Mais il est obsédé par ça. Il y a un truc psychiatrique. Enfin, faire de la psy à 2 francs. C'est évident. Vous connaissez l'affaire, professeur? L'affaire de Dieudonné. Vous savez, le comique Dieudonné qui, lors d'une émission. Un sketch, j'ai rencontré 2 fois Dieudonné qui est venu nous aider dans des manifs. Oui, pour le droit au logement, tout à fait, pour Dali. Et au fond, ça lui rapportait rien. Il y a de quoi être emmerdé. Quand je suis revenu j'ai passé 8 jours en Palestine il y a un peu plus d'un an, et j'ai été même reçu par Yasser Arafat, et j'ai eu un dialogue avec Arafat que j'ai redonné à la télé parce que ça m'a marqué. On était une quinzaine, et puis j'étais près de lui, j'étais le plus vieux, le plus prof, etc. Et il se trouve que Arafat me regardait. J'ai eu l'impression qu'il m'écoutait bien. Alors j'ai osé lui dire: Monsieur le Président, permettez-moi d'oublier que vous êtes président. Vous êtes Yasser. Et on a été des gamins en culottes courtes à peu près en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a plus en face à face que Yasser et Albert? D'accord. Et je lui ai dit, mais moi, ce que je vous dis, je le crois vraiment. Jurez-moi que ce que vous me dites, vous le croyez vraiment. C'est d'accord. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Et il a résumé les choses de façon très simple en disant, il nous faut 2 États. Respectueux l'un de l'autre, une seule capitale, Jérusalem, et le reste est discutable. Par conséquent, l'essentiel, c'était la dernière phrase, le reste, c'est-à-dire le retour des réfugiés, Israël ne peut pas l'accepter, c'est normal. Et la démolition des colonies de peuplement, il faut absolument y arriver. Par conséquent, puisqu'on doit discuter, discutons. Et les 2 premiers points, au fond, pourquoi pas? Alors, j'ai eu le malheur de dire ça à la radio, dans mes émissions de France Culture. Je me suis fait engueuler par des gens de bonne volonté, par des gens qui me disent « on vous aime bien, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui nous est arrivé à nous les Juifs. » Une sensibilité respectable. C'est ça le problème. Si tu veux, c'est vrai qu'en Europe occidentale aujourd'hui, depuis la guerre, il y a une telle culpabilité, c'est tellement honteux. Par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce que le peuple français a fait, on a l'impression qu'on ne cesse d'expier par rapport à ce problème-là. Ah oui, on a besoin du pardon. Moi, je pensais que
Mitterrand n'a jamais voulu reconnaître, tu le sais très bien, la culpabilité de la France dans cette affaire. Il disait, c'était Pétain, c'est comme de Gaulle. Chirac a eu l'honnêteté. Tout à fait. Il a été formidable, Chirac. Ouais, il a dit, bon, OK, c'est la France qui a fait une faute. Bon, moi, je pensais assez naïvement qu'après des décennies de lutte pour obtenir cette reconnaissance par la France, je pensais que l'affaire allait s'arrêter d'elle-même. Je pensais, bon, voilà, après, qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas faire expier les gens. Et puis, il y a toujours cette idée qui est très ancrée, c'est que Vichy est inexpiable. C'est ce que disait Lambron dans son bouquin qui s'appelle 1941. C'est-à-dire, Vichy est inexpiable. On ne peut plus aborder le problème juif d'une façon simple, même comme aux États-Unis, où ils l'abordent d'une façon beaucoup plus simple que nous. Par le biais de Woody Allen, qui a dit des choses incroyablement dures sur son propre peuple, dans un film comme Anna et ses sœurs, ou dans Zelig, dans le film là où Robin Williams est flou, là. Ah, ben, tout le monde dit c'est génial. Ouais, voilà, exactement. Et à un moment, il fait dire à sa propre mère des choses invraisemblables sur la culpabilité d'être juif. Et qui passe comme, mais vraiment de manière extraordinaire dans le film, parce que dites par un juif, certes. D'abord, parce que. Certes, mais c'est vrai que c'est leur première force, et puis aussi c'est peut-être c'est leur devoir de déculpabiliser les gens par rapport. Parce qu'on confond, parce qu'aussi on dit. En France, il y a un problème culturel par rapport au sionisme. On dit oui, il ne faut pas confondre être juif et être sioniste. Mais il y a des sionistes de gauche. Bien sûr. Il y a des sionistes qui envisagent tout à fait le partage d'Israël avec la Palestine. Dont on parle, c'est les ultra-sionistes qui refusent et qui réfutent, comme les mecs du Hamas, qui réfutent complètement le partage du pays. Et ça, Guaido ne sait pas le développer suffisamment, qui s'oppose à eux, et il fait des amalgames qui sont parfois extraordinairement maladroits et qu'on peut lui reprocher. Aujourd'hui, il n'a pas le droit d'être aussi caricatural sur la question et aussi pied dedans. Guaido, c'est ça que moi j'y reproche. On a un vrai déficit de connaissances. La grande difficulté, c'est qu'on peut définir un musulman, c'est quelqu'un qui croit encore en un chrétien. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Et je viens de recevoir un manuscrit d'un bon camarade qui est chercheur au CNRS, qui s'appelle Schiff, qui est juif, et qui justement n'a jamais lu la Bible, n'a jamais respecté le sabbat. Et qui se sait juif, qui se sent juif, et qui pose la question, mais en quoi je suis juif? Alors, il dit finalement, un juif, c'est quelqu'un dont les grands-parents parlaient polonais et russe, les parents parlent allemand et lituanien. Ouais. Lui, il parle français. Ses enfants parlent anglais. Ouais, hein. C'est très bon. C'est ça qu'il donne comme définition. Et effectivement, c'est ce qui lui est arrivé à lui. C'est l'idée du juif errant. Il est un juif errant. Mais c'est quelqu'un comme vous et moi. Il est marqué. Et pourtant, en lui-même, il se sent juif. Mmh. Et il se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai donc de juif? Au fond, c'est plus ce qu'on met derrière l'adjectif. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bien qu'un juif n'est pas facile à définir. Comment voulez-vous qu'un enfant comprenne ce que ça veut dire antisémite? Dans sémite, il n'y a pas juif. Oui. Et au fond, quand on regarde ce que c'est que le mot sémite, il a été inventé au 19e siècle. Les Arabes et les Juifs sont... Et à propos uniquement des langues. Oui. C'est les langues sémitiques. Oui. Mais vous avez écrit un livre, professeur, qui s'appelle Dieu, ? Non. Ouais. J'en ai lu quelques pages. Le résultat, alors réponse. Comment tu le sens? C'est bien que je le revoie un peu. J'ai pas de définition. C'est bien que je le revoie. Justement parce que... La conclusion, c'est qu'au fond, à quoi ça sert de croire? C'est le verbe croire que je n'aime pas. Ouais. J'ai pas à croire. Et au fond, j'ai à douter en permanence. Par contre, j'ai à agir. Ouais. Si bien que je remplace finalement, et les curés m'en veulent, le croire credo. Par agir. Je remplace le credo par le sermon sur la montagne. Ouais. Ouais. Qui est au fond une façon d'agir. Bien sûr. Et finalement, c'est quoi le sermon sur la montagne, professeur? Le sermon sur la montagne, c'est le jour où cet homme, qu'il soit Dieu ou pas, au fond, parce que ça peut faire. Il s'assied sur une pierre, c'est joliment dit. Il s'assied sur une pierre et il se met à causer. Mais vraiment, c'est le fait exprès. Il parle pas vraiment. Il se laisse aller. Et dire ça serait quand même pas mal pour être heureux si on était capable de se respecter, de se rencontrer. Bravo. Alors moi, j'ai pas besoin d'imaginer qu'il est Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs? Dieu, je le suis un petit peu. Vous pensez que le message du Christ, même s'il n'est pas Dieu, est de toute façon primordial? Mais c'est le message qui compte. Bien sûr, oui. C'est pourquoi les histoires de virginité, de sa mère, etc. On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Et la science, c'est une attitude face au monde, au cosmos, en essayant de comprendre. Mm. Et pour comprendre, on est obligé d'inventer des concepts, d'inventer des choses un peu abstraites. Pour moi, ce qui est merveilleux,
c'est qu'à coup d'équation, on a découvert les trous noirs. Ouais. Ça, c'est magnifique. Et personne ne les verra jamais. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y en a. Ils ont été trouvés par les mathématiques. C'est une année après qu'Einstein ait sorti sa formule de, en 1915 sur la façon d'expliquer la gravitation, qu'un Schwarzschild, un mathématicien allemand, s'aperçoit qu'il y a une solution étrange en disant, si par hasard il y avait un objet tellement dense qu'il aurait la densité de toute la Terre dans un dé à coudre, alors cela amènerait un retournement du temps. Mais ça ne peut pas exister. On s'aperçoit maintenant que ça peut très bien exister. Et du coup, près d'un trou noir, il se passe quelque chose qu'on ne dit presque pas, mais qui est merveilleux. Supposez que vous alliez près d'un trou noir et que votre fusée tombe en panne. Vous allez tomber dans le trou noir, vous allez attraper. Et vous pouvez calculer le temps de la chute. Et ça sera vrai. Mais moi qui vous regarde, je vous vois tomber dans le trou noir et je m'aperçois que plus vous vous en approchez, plus votre vitesse diminue au lieu de s'accélérer. La gravitation s'inverse. Si bien que le temps que vous mettez arrive dans le trou noir, pour moi qui suis loin, c'est l'éternité. Et pour vous qui êtes dedans, c'est tant de secondes. C'est bien que vous avez une réponse. C'est magnifique. Ça permet de résoudre. Vous parliez de Woody Allen. Woody Allen dit quelque part. Il y a un petit parfum d'ambiance qui est l'éternité. C'est bien. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de ma vision du temps personnelle. On dit, au fond, toute simple. Quand je suis passé de 10 à 11 ans, ça m'a semblé long. Ouais. Vous vous souvenez, il y a des grandes vacances, ça. Quand je suis passé de 60 à 66, ça m'a semblé court. C'est vrai, oui, on est d'accord. La relativité du temps. Ça m'a semblé de la même façon, parce que dans les deux cas, j'ai ajouté 10%. Donc le temps perçu, c'est le pourcentage par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Une année maintenant, c'est un 75e de la vie que j'ai menée. Quand j'avais 10 ans, c'est un 10e. Donc il faut mesurer l'âge. À 10 ans, j'avais 10 à la puissance 1. Quand j'aurai 100 ans, j'aurai 10 à la puissance 2. Et c'est l'exposant qui compte, comme la moitié de 2, c'est 1. Un enfant de 10 ans a vécu la moitié de son expérience humaine s'il va jusqu'à 100 ans. Et ça a des conséquences. Si vous me dites, c'est une jeune femme de 25 ans. C'est vrai, mais oui. Pauvre monsieur, vous avez trois fois mon âge quand vous êtes vieux. Je lui réponds, mademoiselle, quel est votre logarithme ? À 25 ans, c'est 1,4. Moi, c'est 1,8. On n'est pas si loin. Professeur, vous avez vu que tout le monde va démissionner là dans la recherche. Là. C'est quoi cette démission en masse là dans la... Ah, ils ont raison parce qu'ils n'ont plus d'argent. Mais... Ouais. Bah avec le Téléthon, mais je crois ils n'ont pas de fric. Pas confondre. Il n'y a qu'à prendre le fric du Téléthon. Attends, tout ce qu'ils ont gagné. Et pourquoi ils n'ont pas d'argent? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, donc la recherche s'arrête. Bon, c'est dommage. Mais pour moi, la science, c'est encore autre chose. La science, c'est l'invention de concepts nouveaux. Et ça, ça ne coûte rien. Einstein n'a rien coûté. Ah oui, c'est fort, ça. Du papier et un crayon. Ouais. Non, mais quand même, ils se cassent tous aux États-Unis, c'est quand même emmerdant, non? Mais au-delà du fait qu'il ne faut pas d'argent pour trouver les bons concepts, c'est quand même grave, non? Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas de temps en temps bon d'avoir une période de vache maigre. Ah ouais. Oui, en même temps qu'ils trouvent, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, des générations. Il y a un peu une hypertrophie de la recherche pour rien. Oui, je ne dirais pas à la télé. Parce que j'ai pas lu votre dernier livre, des petites leçons de lucidité. Mais comme qu'est-ce que t'as foutu? J'ai eu le temps de lire un truc sur la jeunesse. Et on dit toujours, aujourd'hui, on dit tout le temps, ouais, là, il n'y a plus de jeunesse. Autrefois, nous, c'était autre chose. Bon. Constat imbécile et arrêté un peu. Alors, est-ce que t'as lu le même truc que moi? Non, mais voilà, mais on a dû lire le même parce que. Et donc, racontez cette anecdote concernant la jeunesse. Il y a un texte de 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, disant la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment pas du tout comme celle qu'on a vécue. Ah, ils sont lamentables, ils sont nuls. Jamais plus on verra des jeunes comme nous l'avons été. Ouais, si ça continue, c'est la fin du monde. 3000 ans avant Jésus-Christ. Et même l'intégralité du texte, c'est ils nous détraquent le temps avec leur bombe atomique à la fin du siècle. Bonsoir. J'ai entendu. Tiens, là. Bonjour. J'ai entendu qu'il y avait une petite partie ici. Mais toi là, on va être. Oh, Gary Kurtz. Nous nous sommes là. Oh, hey. Oh, Gary Cooper, ça va. Oh, Albert, Albert Jacquard, vous allez être fasciné par ce bonhomme. Il joue des réalités, il joue justement des faux semblants et il joue de la réalité.
C'est un extraordinaire magicien. Là, il est canadien. C'est un ancien chorégraphe allemand de Montréal. Ancien danseur. Eh, Gary, non, Gary, t'as eu des soucis là avec l'émission d'M6, là, non? Non, non, je parce que il paraît qu'il a fait. Il a fait une émission avec Laurent Boyer. Oui. Et ils ont dit que c'était formidable ce qu'il faisait. Et puis le lendemain, il y a Majax qui a dit, Gérard Majax, qui a dit, mais attendez, comme tous les magiciens, il a des trucs. Évidemment, il a des trucs. Alors que Boyer, c'est ça qui le rend magnifique. Alors que Boyer avait fait, Boyer avait dit que c'est un mec qui avait du pouvoir. C'est comme Uri Geller. Uri Geller, non, c'est pas vrai. Je te dis la polémique, je te dis pas lui. Oui, la polémique c'était que Uri Geller pouvait tordre les cuillères. Et puis un jour, il y a un mec, Majax, je crois d'ailleurs, qui a dit, c'est pas vrai, c'est un truc. Et lui, on a laissé entendre dans cette émission qu'il avait des pouvoirs surnaturels. Et en fait, Majax a dit non, il a dit, c'est un très bon magicien. Fais un truc à Michel parce qu'elle ne te connaît pas, Michel. Vas-y, fais-lui un truc. Mais nous allons faire une petite réchauffement. Hein. Bon, ça, c'était pour plus tard. Non, ça n'a rien à voir. Tu as un peu moins frimé dans j'ai écrit ça. Une petite, t'aurais mis à poil sur la table. Il est exactement. Oui, je regrette que j'ai fait quand j'étais petite. On verra. Voilà, pour t'expliquer, les pouvoirs de Gary, bah, c'est comme mon cousin Freddy. Voilà. Voilà. Et l'heure exacte. What is it? Qu'est-ce que tu lui demandes là? 10h30. Ses initiales, les heures exactes. 10h28. 28. Tu lui as demandé donc l'heure exacte et ses initiales. Oh, mais j'aurais dû mettre 22 secondes. C'est 22 secondes. En tout cas, on elle a marqué sur un papier MB 10h28. Je résume pour ceux qui sont un peu loin de la grille. On va revenir à ça super. Gary, si tu veux une petite assistante. Non, pas besoin. Vous n'êtes pas petite non plus. Alors, nous allons jouer une petite expérience imaginative. Alors, moi, j'ai fait une note. J'aimerais que vous imaginez tous que vous avez un bol de M&M's devant vous. D'accord? M&M's. Cacahuètes? C'est des cacahuètes? C'est des Smarties. Les cacahuètes sont interdites parce que des personnes sont allergiques aux arachides. C'est des Smarties. Alors, on prend des Smarties et vous regardez la couleur. Quelle couleur? Chacun doit répondre? Ah, oui. J'irai avec quelle couleur vous avez pigé? Jaune. Jaune, exactement ce que j'espérais. Jaune. Et M&M's couleur jaune. Et maintenant, vous jouez au bingo. Bingo. Il y a des boules qui sortent. OK, une après l'autre, il y a une boule, un chiffre, un deuxième chiffre, un troisième chiffre. Vous voyez tous un chiffre qui sort. Jusqu'à combien? De 0 à 10? Ah non, 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 un seul chiffre. Je vais commencer avec vous. Quel chiffre? 2. 2. Exactement ce que j'avais en tête. Incroyable. Alors, 2. Et le deuxième chiffre, j'irai avec vous. Number between 1 and 10. One number. Yes. One number. One number. Which one? 5. Excellent. And après le 2, j'irai avec vous, Yamushka. Oui. Quel chiffre? 4. 4, exactement. Et maintenant, vous avez un map monde devant vous. Oui. Vous planifiez des vacances. Oui. Vous regardez ici, nord, sud, est, ouest. Vous fixez votre tête, votre esprit sur un pays. Ensuite, vous cherchez une ville dans ce pays. J'irai avec vous. D'accord. Quel pays, d'abord? Le Liechtenstein. Liechtenstein. Chouette vacances en perspective. Et quelle ville en Liechtenstein? Il n'y a qu'une ville, Vaduz. Liechtenstein. Vaduz. V-A-D-U-Z. Vaduz. Vaduz. Attends, faut le savoir, ça. Très étrange. Vaduz. Un mot compte triple, vous êtes bien, professeur. À Liechtenstein. Qui a écrit à ses casse-couilles. Alors, ici, dans le groupe, ici, vous avez tous, parmi toutes les couleurs possibles, pas rouge, pas vert, mais jaune. Ensemble, on a décidé sur 254. Et de toutes les villes dans le monde, on a décidé sur... Vaduz. Oui. Vaduz. Le très étrange. Vaduz. Tout à l'heure, il y a un peu de temps, je vous ai demandé de signer un morceau de papier, oui. On l'a mis dans l'enveloppe. À exactement 10h28. J'aimerais que vous le dépliez. C'est ton écriture, hein, Michel? C'est ton écriture, ça? Elle a écrit MB. Oui. Déplie-le.
Et Oh là là, il va ressortir Vaduz. Lisez-le à haute, à haute voix. C'est ce que je disais, faut que je... Mais Lulu. Je me casse. Attends, je me casse, il me fait peur. Dans deux secondes, j'arrive. Ouais, Michel, il me fait peur. Avec les chances... Avec la chance, ces trois personnes vont nommer les choses suivantes. A, la couleur jaune. B, le numéro 254. 254. Etc. La ville. 254. Attends, la ville. Ouais. Vaduz. Hey, hey. Albert Jacquard bluffé, c'est magnifique. Ouais. Choisis une carte. Tu la gardes bien. Cheveux blancs, ça. Attends, connais un, Michel? Ouais. Ok. Oh, génial. Et tu la mets là. D'accord? Voilà. Et je vais te dire à l'oreille ce que c'est. C'est un 5 de carreau. Ouais! Ah, délire! Et alors? Ça tourne. Comment j'ai fait? Bon, alors d'accord, je vous explique. Et ça ne sera caché dans ma main. Non. Bonsoir. Mais si je passe la main doucement, ouais, elle arrive. Oh! Et... Bonsoir. Oh, c'est pas nos amis. Nos amis. C'est ma Ben Ali. Salam alaikum. Ça va les gars? Désolé, on t'avait pas dit qu'il y a des Arabes qui viennent. Gilles, t'as des chiens. Il va prendre les chaises de la cuisine. Hein. Ah ouais, il faut prendre les chaises de la cuisine. Hey, Yvan. Ouais. Ça, tu sais que chez mes parents, quand on était petits, c'était... On prend les chaises de la cuisine, c'était ton truc à toi? C'était le dimanche, ouais, on prenait les chaises de la cuisine. Pardon. Par rapport au premier album qu'on a fait avec les Frangins, en fait, on n'avait pas de distribution, on n'avait pas tout ça. Ouais. Donc on a fait un album nous-mêmes en pré-prod, pré-production. Et puis on a eu l'idée de faire une chanson sur les alimentations générales, qui est Ben Ali. Ouais, c'était le seul réseau de distribution pour nous, parce qu'à ce moment-là... Ah, vous avez fait distribuer le disque chez les épiciers. Ça, c'est drôle. Ouais. Sourire, question boulot.
oui, je pense. Ils sont à pied, là. Michel, bonne fin de soirée. Merci. Bonjour. À bientôt, hein. Ciao. Eh, bravo, les gars. Attends, putain, j'ai oublié mon écharpe. Sois sage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.